Bonjour, monsieur. C'est avec fierté que je vous accueille aujourd'hui à Lac-Frontière. Comme vous le savez, notre municipalité franchit cette année une étape importante dans son histoire en célébrant son 100e anniversaire. Pour le conseil municipal, il était naturel d'appuyer la réalisation de ce projet qui amenait un vent de fraîcheur à notre communauté, tout en faisant un clin d'œil à tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont su rebâtir après les épreuves et qui ont travaillé fort pour faire de Lac-Frontière ce qui est aujourd'hui. À la lumière de cette réflexion, le nom du parc s'est finalement imposé de lui-même. C'est donc avec fierté que nous vous accueillons aujourd'hui dans le parc des générations. L'aménagement des sentiers de marche accessibles à une clientèle universelle. L'aménagement paysager dans l'encaisonnement du site, la plantation d'arbres et d'arbustes. La construction d'un nouveau chalet des loisirs, accessible aux personnes handicapées et ayant l'apparence de notre ancienne gare de train. La rénovation et le rafraîchissement de nos deux anciens pavillons. Il y a l'installation du mobilier urbain tel que des tables, bancs et poubelles. D'abord, nous baliserons le site avec une série de bollards et lampadaires afin d'éclairer le parc le soir venu. Une entrée électrique sera ajoutée à cet effet dans le bâtiment d'eau. Et puisqu'on y est, sachez que les murs du bâtiment accueilleront aussi une œuvre de l'artiste Gitane Caron, qui recouvrira les 8 faces avec autant de thématiques qui ont façonné l'histoire de la municipalité, telles que le transport ferroviaire, les entreprises forestières, l'église, la rue commerciale, la vie municipale, les loisirs au village à travers les époques, le lac et sa villégiature, de même que le développement touristique de la municipalité. L'entrée du parc sera agrémentée d'une arche et il en est aussi prévu qu'une œuvre d'art en métal représentant Lac-Frontière et ses ressources soit créée et disposée près de l'entrée du parc. La seconde phase sera aussi l'occasion de faire l'achat de nouveaux mobiliers pour la terrasse et d'aménager une aire de feu au centre du parc. Une balançoire pour les aînés sera ajoutée au site, de même que des jeux pour les enfants tels que des petits jeux d'hébertisme, de balançoire et modules de jeu en forme de train. Finalement, nous poursuivrons la décoration du chalet des loisirs afin qu'il rappelle l'ancienne gare de Lac-Frontière. Un appliqué mural sous le thème ferroviaire sera ajouté au mur intérieur. Le bâtiment pourra aussi compter sur l'ajout du comptoir de l'ancien magasin général des Bossiers, un joyau de notre patrimoine s'il en est un. Comme vous voyez, au terme de cette seconde phase, le parc sera resplendissant et fera la fierté de tous les frontières et frontières.